fait, on était quand même dans une musique assez 70s, on va dire, et qui était, je dirais, c'était entre Bullet peut-être, et puis c'était dans cet esprit-là. Donc je suis parti, bien sûr, avec des idées très Quincy Jones, Lalo Schifrin, et pour aller dans le tempo de ce film-là. Sur Cash, c'est vrai que très vite, les musiques qui ont marché, c'était des musiques. Une des premières musiques que j'ai mises, c'était une musique de Quincy Jones des années 70. Une musique donc un peu nostalgique, mais très très chaude, beaucoup de cuivre. Et on n'est pas du tout parti vers du score traditionnel avec des violons ou plus de l'underscore. On est plus parti sur des morceaux assez jazz, voilà, un peu à la Quincy Jones. Oh, merci. Tu l'as tourné en plus, je suis sûr, tel que je te connais. Je crois que dans ce film, Jean-Michel va plutôt être satisfait, puisqu'il y a beaucoup de choses, je dirais justement, qui ont été écrites musicalement et filmées musicalement. Donc, je pense qu'on va profiter sur des scènes assez longues, pleinement de sa musique. Et ça, c'était le but recherché par Eric au moment même de l'écriture. Il y avait une des musiques où Eric aurait souhaité avoir un chanteur dedans, mais un petit peu dans l'esprit de James Brown. J'ai travaillé il y a quelques années avec un chanteur américain qui vit en France, qui s'appelle Freddie Meyer. Le micro était à peine branché, on lui envoyait le playback, et là, si vous voulez, il y a des moments magiques comme ça quelquefois, et c'était exactement ça, en fait, c'est-à-dire qu'il a... Il a chanté le truc du début à la fin. Il a mis une énergie invraisemblable dans la scène et c'était pile poil. Hey, I don't rip me off. I don't talk the talk. Jean-Michel, je sais ce qu'il a fait, donc je me suis rendu compte que il correspondait tout à fait à la demande d'Eric. Parce que quand on est dans la rapidité, on n'a pas forcément le temps de laisser un compositeur ou compositeur-producteur faire des maquettes de son côté, travailler de son côté pour revenir après, confronter son travail au désir du réalisateur, repartir en travail. Là, il y avait besoin d'une interactivité et d'une complicité évidente. Et des fois, tu vois, au début, il commence... En faisant t'as vu la ligne des filles, puis après elle repart en dessous. Oh, boum. Bon, bon. Party. Woo. La voilà.